Pierre-Yves Jollet promet plus de 1000 ordinateurs aux familles en FWB. La Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, a embrayé sur la Flandre et se lance, elle aussi, dans un plan d'équipement, pour diminuer la fracture numérique, et le risque de décrochage scolaire chez les élèves confinés, rapporte léco un marché public a été lancé pour l'acquisition de plus de 1000 ordinateurs reconditionnés, explique-t-on au cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, Pierre-Yves Jollet. La procédure est en cours, et devrait aboutir dans les prochains jours. Une fois les ordinateurs acquis, il faudra encore déterminer comment les répartir entre les élèves qui en ont le plus besoin. Degré-degré-degré à lire aussi, dans quelles conditions se fera la rentrée scolaire du 18 mai la fracture numérique au sud du pays est bien plus importante qu'en Flandre. Au nord, on estime entre 1 et 2 le nombre d'élèves ne disposant pas d'ordinateur à la maison. Côté francophone, on parle de 15 d'élèves non connectés, d'après le secrétariat de l'enseignement catholique, SEGEC. 95 disposent d'un GSM, mais l'outil reste limité dans le cadre des apprentissages. Au-delà de ces 1000 ordinateurs, d'autres initiatives sont lancées pour aider les élèves. Les écoles peuvent faire appel à des ASBL pour avoir des ordinateurs en prêt, explique le SEGEC. Des appareils sont aussi parfois aussi disponibles au sein des établissements et peuvent être prêtés. Enfin, pour les situations les plus difficiles, les écoles pourraient aussi ouvrir leurs classes informatiques en permettant l'accès aux ordinateurs dans le respect des normes de distanciation sociale, dit encore le SEGEC. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, a embrayé sur la Flandre et se lance, elle aussi, dans un plan d'équipement pour diminuer la fracture numérique et le risque de décrochage scolaire chez les élèves confinés, rapporte l'éco-jeudi. Un marché public a été lancé pour l'acquisition de plus de 1000 ordinateurs reconditionnés, explique-t-on au cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB, Pierre-Yves Jollet. La procédure est en cours et devrait aboutir dans les prochains jours. Une fois les ordinateurs acquis, il faudra encore déterminer comment les répartir entre les élèves qui en ont le plus besoin. Degré, degré, degré à lire aussi, dans quelles conditions se fera la rentrée scolaire du 18 mai La fracture numérique au sud du pays est bien plus importante qu'en Flandre. Au nord, on estime entre 1 et 2 le nombre d'élèves ne disposant pas d'ordinateur à la maison. Côté francophone, on parle de 15 d'élèves non connectés, d'après le secrétariat de l'enseignement catholique, SEGEC. 95% disposent d'un GSM, mais l'outil reste limité dans le cadre des apprentissages. Au-delà de ces 1000 ordinateurs, d'autres initiatives sont lancées pour aider les élèves. Les écoles peuvent faire appel à des ASBL, pour avoir des ordinateurs en prêt, explique le SEGEC. Des appareils sont aussi parfois aussi disponibles au sein des établissements, et peuvent être prêtés. Enfin, pour les situations les plus difficiles, les écoles pourraient aussi ouvrir leurs classes informatiques, en permettant l'accès aux ordinateurs dans le respect des normes de distanciation sociale, dit encore le SEGEC. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.